Merci beaucoup Robert pour la présentation de tous les candidats. Je crois que chacun s'est reconnu dans les descriptions de Robert et je crois qu'il n'y a peut-être pas de mots assez forts pour dire toute l'amitié qu'on porte à toute cette équipe et tout le plaisir, en tout cas je pense pour Robert, pour moi-même et pour toute l'équipe, que l'on prend à militer ensemble, à aller au-devant des Toulonnais. Et donc j'ai la lourde tâche de présenter ce soir Robert. Donc j'ai commencé à écrire quelque chose et je me suis dit qu'il allait me... Ah, d'accord. Je me suis dit qu'il fallait me faire plusieurs tomes, donc je me suis dit qu'il fallait avoir l'esprit un peu synthétique pour faire un petit résumé de Robert Alfonsi, qui est avant tout... Robert Alfonsi, pour moi, c'est 30 ans de militantisme au service des gens. 30 ans qui lui ont permis de travailler et de connaître parfaitement sa ville. Il en maîtrise tous les dossiers, et ça, je crois qu'on peut le reconnaître à travers les débats auxquels il participe, parce que quand il est invité, il y va, et il connaît les dossiers, et il explique toujours, il a toujours les arguments pour expliquer ce qu'il dit. Robert, c'est un amoureux de sa ville, de Toulon. C'est un fan du RCT. Mais Robert, c'est aussi... Alors je suis obligée de faire des compliments, je ne peux pas faire autrement. Hein. C'est l'honnêteté, et je ne l'ai pas du tout consulté, hein. c'est moi qui ai écrit, Dieu merci. Robert, c'est de l'honnêteté et l'intégrité. Robert ne fait jamais de promesses qu'il ne pourra pas tenir. Robert, c'est un homme politique, un républicain, disponible et à l'écoute, et fiable aussi. Et ça, ce sont des qualités indispensables pour un élu de nos jours. Robert, c'est un grand démocrate, c'est un amoureux de la démocratie et il défendra chaque jour ce qu'on appelle la démocratie participative, parce qu'il se nourrit des gens, de ce que peuvent lui apporter les gens dans son combat politique, et c'est pas des idées qui sortent de sa tête, il est toujours preneur de bonnes idées et toujours à l'écoute des gens. Mais Robert, c'est aussi un homme engagé, impliqué, déterminé, pugnace, passionné et généreux. Il a parlé de générosité, mais je crois qu'on peut aussi louer la générosité de Robert qui est, même si il est toujours très occupé avec les fonctions qu'il occupe et les fonctions qu'il a occupées, je pense par exemple à la région quand il gérait il était responsable du personnel des 5000 personnes de la région, je n'entendais que du bien et Dieu sait si ça doit être une tâche lourde et difficile de gérer autant de personnel. Robert, donc, je le disais, c'est aussi un grand humaniste, épris de littérature, mais aussi attaché à ses racines corses et italiennes. Il est aussi attaché à sa famille, bien sûr, son épouse, ses deux filles, qu'il aime par-dessus tout, et son petit-fils Elliot. Mais Robert, c'est un homme de terrain, qui aime aller au contact des gens, qui reconnaissent en lui un homme vrai, sincère et fidèle. Robert incarne l'avenir de Toulon, parce qu'au travers de ces 95 propositions que vous avez pu lire dans son projet, vous allez réaliser que oui, c'est possible. Toulon a le droit à un avenir pour les jeunes, les seniors, mais aussi un avenir pour toutes les générations. Je ne vais pas reciter toutes les thématiques qui sont évoquées dans le projet au travers des 95 propositions, mais vous avez vu qu'elles concernent tout le monde. Et sinon, à titre personnel, je voudrais te remercier, Robert, ce soir, de me renouveler ta confiance, parce que j'ai passé 6 merveilleuses années à tes côtés, aux côtés de Sophie Lobaudel aussi, que j'appelle à venir sur scène. S'il te plaît, Sophie, parce que c'était une grande amitié entre nous. Et je voudrais aussi que vous l'applaudissiez, parce qu'elle a été élue à 23 ans, et je trouve que c'est quand même une fille formidable. Voilà. Merci, Robert, pour tout ce que tu as dit. Merci pour ta confiance renouvelée. Merci. Dans les sous-carres, on y va, magie dans le lit, des fleurs.